était tellement autoritaire, une espèce de sûreté d'elle, que ça en venait très drôle. Ce que j'admire le plus, c'est les dépravés sexuels, qui savent exactement ce qu'ils veulent, ce qu'il leur faut. Mais la plupart des écrivains et des cinéastes, zéro. Mais il suffirait également de tout ça à quelqu'un de gauche pour passer à droite, non? Non. Non, non, voyez-vous, je crois que on est irréversiblement de gauche. Vous savez pourquoi je fais la cuisine? Parce que j'aime beaucoup ça. Quelle différence y a-t-il entre un homme et une femme? L'homme dure davantage. Il a plus d'assurance parce qu'il dure plus. La rêverie est du côté de la femme. Mmh. La sorcellerie est du côté de la femme. Et la maternité aussi, bien sûr. Oui, mais pff, tout ça, c'est un tout. Hiroshima à Cannes. Oui. Il y avait une salle de 2500 personnes, il y avait à peu près 30 personnes pour Hiroshima. Oui, c'est ça. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que les personnes qui étaient pour étaient contre à Paris. Il y avait Achard qui était là. Oui, il était membre du jury, Achard. Oui, ouais. Marcel Achard qui disait « N'entrez pas, je m'excuse, c'est de la merde », disait-il. Qu'est-ce que c'est que cette horreur de croire qu'un Portugais, c'est un autre Portugais? Là, on rejoint l'horreur du militantisme, de traiter les gens à égalité. Ça me fout en colère, ça, c'est... Le bonheur d'un ouvrier de chez Renault, c'est pas forcément le bonheur de l'autre ouvrier de chez Renault, et du troisième ouvrier de chez Renault, et du quatrième ouvrier de chez Renault, tu comprends? On peut donner des éléments bons, c'est sûr, on peut donner des meilleurs salaires. C'est tout ce qu'on peut faire, mais le bonheur, on peut pas le créer d'extérieur. Qu'est-ce que c'est pour vous, le communisme? C'est la fin de tout ce que vous voyez autour de vous, maintenant, ici, partout. Je ne sais pas ce que c'est autrement. Mais vous admettez qu'il y ait des gens qui pensent autrement que vous? Non, je ne l'admets pas. Vous êtes sectaire? Je suis d'un certain sectarisme, oui. J'étais 7 ans parti, moi. Parti communiste, stalinien. J'ai mis des années à me guérir de ça. Qu'est-ce qu'on m'a appris à mépriser les autres? On m'a appris à mépriser les catholiques, les croyants. On m'a appris à mépriser les riches, comme si c'était une définition d'être riche. Dans la richesse, il y a une immense pauvreté, une misère des riches. Mais tiens, regarde, le pétrole, plus de pétrole, il est cher comme le champagne est cher comme l'automobile, la maison, alors n'en parlons pas, il est cher comme tout le bordel. Alors qu'est-ce que tu peux faire, toi? Elle dit que le monde aille à son père. C'est un peu politique. Il y avait un enfant qui suppliait son père de ne pas boire. Et il disait, « Papa, ne bois pas, pense à moi. » Et mon fils et son copain avaient rajouté tout. « Papa, ne bois pas tout, pense à moi. » Moi, à un moment, je me suis dit que vous aviez la volonté de vous détruire. Je me voyais me défaire complètement. Et c'était jouissif, là aussi, cette dégringolade. Personne ne peut remplacer Dieu. Rien ne peut remplacer l'alcool, donc Dieu presque est remplacé. Avec le petit frère, on se sauvait de toutes les siestes. On allait dans la montagne face au Siam et on entendait le tigre quelquefois. On allait aux embouchures du Rac et on tuait des crocodiles, enfin lui. Des panthères noires. C'est une enfance différente de la vôtre, par exemple. On était de là-bas. La Prousse, vraiment. Je suis né en Indochine, un 4 avril, à Jiadine, dans la banlieue de Saïgon. Je suis né en Indochine, un 4 avril, à Jiadine, dans la banlieue de Saïgon. Ah, vous voyez que je vous parle, hein? Faut pas vous plaindre, hein?